J'ai eu l'idée de d'écrire un livre sur Jean-Henri pour le remercier au fond de m'avoir formé et accompagné tout au long de ma vie professionnelle. Il est décédé en 2014. Il avait écrit un ouvrage relatant son histoire de façon un peu résumée sous une forme de dialogue avec Jean-Pierre Lebrun qui s'appelle Il donc. Et j'ai trouvé que ce titre était très intéressant et je l'ai repris. Et donc, je propose d'appeler cet ouvrage Houri donc. Dans cet ouvrage, je raconte au fond l'histoire de Jean-Henri, mais notamment sa rencontre avec Tosquelles et puis avec un certain nombre d'autres gens comme Lacan, d'autres auteurs que j'évoque dans cet ouvrage. Ses rencontres avec de très nombreux amis qui l'ont influencé et ont été influencés par lui, Torroubia, Gentis, Maldinet, Jacques Scott, beaucoup de gens qui ont compté dans son existence et dont il parlait souvent dans ses séminaires. Et puis j'ai essayé de présenter un certain nombre de concepts fondamentaux pour lui et qui constituent au fond les fondements d'un certain point de vue de la psychothérapie institutionnelle. Je parle de notamment son concept fondamental qui est celui de transfert dissocié. Mais je parle aussi de la constellation transférentielle, je parle de l'aliénation sociale et de l'aliénation psychopathologique, je parle de la permanence des institutions, de la différence avec l'établissement, enfin de tout un tas de concepts qui sont très utiles pour les gens qui travaillent dans un milieu psychiatrique ou dans un milieu social ou médico-social dans lequel la question de la souffrance psychique est présente. Et il faut bien reconnaître que c'est un mal qui est très contemporain. Et aujourd'hui, vu l'état de la psychiatrie que nous traversons, je trouve qu'il est très utile d'avoir recours à de grandes figures de la psychiatrie telles que Jean-Henri, qui, en mêlant au fond les concepts de la philosophie, de la psychanalyse, de la psychiatrie, de l'anthropologie, de la sociologie, et a pu réussir quelque chose que Dupray appelait des rapports complémentaires, c'est-à-dire mettre ensemble des concepts d'horizons différents, non pas pour les homogénéiser, mais au contraire pour les percevoir comme différents, mais nécessaires à entreprendre l'œuvre commune qui est celle de soigner les malades mentaux. Et je crois qu'aujourd'hui, à une époque où on met en avant uniquement la pathologie mentale qui serait causée par la pathologie, disons, génétique et neurodéveloppementale, et faisant de la maladie mentale uniquement une maladie du cerveau, biochimique, neurologique et génétique, eh bien, ces approches qui sont quand même très très réductrices de la maladie mentale empêchent d'articuler avec les autres composantes qui sont tellement utiles et qui font partie du champ anthropologique, socio-anthropologique. Et je crois qu'au fond, Houri avait cette force, à la fois dans son enseignement, mais aussi dans sa pratique et dans ses réflexions avec les différentes personnes qu'il rencontrait, de nous rappeler que tout seul, on ne peut pas grand-chose pour un malade mental, mais que si on élève nos capacités, nos compétences, nos potentialités à chacun des membres d'un collectif, alors nous pouvons faire une œuvre commune extrêmement utile pour lui. Et au fond, c'est ce que j'essaie de montrer dans ce livre qui raconte, d'un point de vue très subjectif, qui est le mien, l'existence de ce très grand psychiatre contemporain.